Shalom Bracha, que le bon Dieu protège dans la santé. Depuis cette guerre, tout le monde me pose une question, parce que on m'entend dire tout le temps, il faut avoir la foi en Dieu, il faut se renforcer, n'aie pas peur. Et alors, il y a beaucoup de gens qui me demandent la question, comment avoir la Emouna à 100%? Et surtout, il y a même des rabbins, même ma propre fille, une de mes filles me dit, comment papa avoir une grande Emouna? Comment? Je dis, pourquoi? Comment tu me demandes cette question? Quoi, tu n'as pas l'Emouna, quoi? Tu viens avec moi, tu es la petite fille de Rabbi Haïm Pinto, c'est quoi? Mes amis, tous on a l'Emouna, mais malheureusement, pendant que, lorsqu'on voit des choses qui arrivent, soudainement, notre Emouna, elle devient un peu light. Elle devient un peu... Elle n'est pas... On se pose des questions. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Jusqu'à maintenant, je croyais que j'avais la Emouna. Et soudainement, on se pose la question, comment avoir la Emouna? Ben justement, mes amis, c'est ça le Yetzara. Le Yetzara, il attend des occasions pour affaiblir la Emouna. C'est ça la force du Yetzara. La force du Yetzara, il attend des occasions. Ouais, regarde, où était Dieu? Pourquoi Dieu il a fait ça? Et pourquoi il a fait ça? Et pourquoi il a fait ça? Alors, il en profite de la situation pour affaiblir même ceux qui ont la Emouna, pour se poser la question, mais comment avoir la Emouna, une Emouna à 100%? Mes amis, je voudrais vous dire simplement une chose. L'Emouna en Akadosh Baruch Hu, elle vient déjà. Lorsqu'on fait mitzvah, on doit bien la faire. C'est tout. Déjà, il faut bien la faire. Écoutez, vous savez très bien qu'on donne des bonus à ceux qui font... Il y a beaucoup des entreprises qui donnent des bonus, à part le salaire, ils donnent un bonus à des gens qui font bien leur travail. Mes amis, Hachem nous a donné des mitzvot. Déjà, il faut bien les faire. C'est ça la Emouna. Si on fait tous des mitzvot, grâce à Dieu, on les fait. C'est pas qu'on les fait pas, on les fait. Mais est-ce qu'on les fait bien avec une conviction, une Emouna? Voilà, il y a une femme. Vous savez que on fait du pain pour les soldats. Alors il y a les femmes qui apportent le pain. Il fallait voir une femme comment elle est venue, avec un sourire. Et elle dit, j'ai pas trouvé la farine, je suis même parti loin à pied pour trouver la farine. Et après, je retourne à la maison, j'avais pas assez de levure. Oh, moi qui croyais que j'avais la levure, je sors et encore, j'ai pas trouvé la levure. Et je suis parti, et ça m'a pris presque 3 heures pour trouver et la farine et la levure, sans voiture, sans rien, dans la chaleur. Je lui ai dit, madame, et tout ça pourquoi? Eh bien, je voulais faire le pain du Shabbat pour les soldats. Je lui ai dit, madame, et tu es contente? Ah, je suis contente. Tu es contente de souffrir pour faire du pain? Eh bien oui, comme ça, ils vont manger le pain du Shabbat. Comme ça, ils vont sentir le Shabbat. Puis il fallait voir comment elle m'a parlé. Elle m'a donné de l'Emouna. J'ai vu une femme devant moi. Je lui ai dit, madame, qu'est-ce que tu penses de l'avenir? Qu'est-ce qui va se passer? Elle m'a dit, si Dieu veut, on va... Rabbi David, je ne vous comprends pas. Expliquez-moi. Non, je lui ai dit, moi, je sais ce que je vous dis. Mais vous, comment vous voyez l'avenir? Elle m'a dit, si Dieu veut, ben, Azat Hashem. Comment elle m'a parlé d'une conviction? Et je lui ai posé une question. Tu fais Shabbat? Elle m'a dit, Rabbi David, je fais Shabbat. Mais là, je vais faire encore plus le Shabbat. Je lui ai dit, tu sais pourquoi? Elle m'a dit, ben, parce que... Je lui ai dit, parce que quoi? Ben, parce que, tu sais pourquoi?
parce que tu as fait le pain de Shabbat. Parce que ça t'a pris 3 heures pour trouver la farine et la levure dans la chaleur à pied. Et c'est ça. Ça prouve que cet amour pour faire le pain de Shabbat, c'est ça qui t'a aidé pour vouloir faire le Shabbat. C'est ça la Emouna. La Emouna, si on fait mitzvah, alors on doit la faire jusqu'au bout et bien la faire. Si on fait la mitzvah jusqu'au bout, alors ça veut dire qu'on fait la mitzvah pour Hachem, parce que c'est Hachem qui nous l'a donné. Ça veut dire qu'on croit en lui. Eh bien, si on fait encore mieux les mitzvot, on va s'attacher en Hachem davantage et davantage dans notre Emouna. Cette histoire de cette femme que j'ai vue ce matin m'apporter le pain, elle va rester gravée dans ma tête à vie. Que le bon Dieu protège à mes 400. J'ai la main, l'autre, ça, elle arrive. Mais il y a beau, elle est tellement de ceux qui sont kidnappés, pour les disparus, pour les malades, des bonnes nouvelles, amen, kerat son.